Devant ma maison, y a un pin terrible dont la grosse branche pourrait bien tomber sur mon pauvre toit. Quelle belle cible, cette branche-là, il faudrait bien que je la coupe. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme. Je la couperai après-demain, et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à l'ami Tonin, il fait rien toute la journée, qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas que l'on soit feignant dans le midi, mais le soleil, vous avez vu aujourd'hui, il tape dur. J'ai des lapins superbes, mais alors ils ont toujours envie de manger. Il faut tout le temps leur couper de l'herbe, et je devrais bien leur en ramasser. Ça me fatigue ça. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ces sacrés lapins me donnent la flemme. Je la couperai après-demain, et si je peux pas la couper moi-même, eh ben je lâcherai tous mes beaux lapins. Ils se débrouillent, qui la couperont aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas que l'on soit feignant par ici, mais la terre, elle est basse. Elle est 10 cm en plus qu'à Paris. Moi, j'ai mesuré. Alors là, attention. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvé tout déshabillé, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, moi les émotions vous disent, ça me rend tout blême, je t'embrasserai après-demain, et si je peux pas t'embrasser moi-même. Mais soudain ça m'a pris au petit matin, quand je me couche et que vous vous levez, on est déchaîné chez nous quand on aime. Et deux mois après, avec Thérèse, on a eu six petits. C'était pas un homme, c'était une mitrailleuse. Allez, on chante ensemble comme ça. La 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 la. La 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 la. Et ben ça se passe comme ça dans le milieu.